Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin à bord de Bip Bip, notre 205 Roadrunner. Je me rends à Étoile-sur-Rhône, au garage Savin. Pour la petite histoire, le garage Savin nous a contactés via les réseaux sociaux et s'est tout simplement proposé pour nous offrir 4 jantes, montage gratuit de 6 pneumatiques. Il nous a aussi trouvé donc des triangles de suspension de 309 qui nous offrent aussi généreusement plus divers accessoires et matériels. Nous allons donc rencontrer Ludovic, le responsable du garage, qui a gentiment voulu nous aider. Objectif du jour, passer de 13 pouces à 14 pouces avec les nouveaux pneumatiques. Donc nous passons de 165, 65, 13 à 175, 70, 14. Bien voilà, je vous présente donc Ludovic, le propriétaire du garage Savin, qui nous a vraiment aidé donc sur ce projet, monte de pneumatiques, pièces au niveau du train avant. Voilà, en tout cas, je te remercie énormément, Ludo. De rien. Et ça puis, plaisir. Je te dis à la prochaine fois. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Pour le passage de 13 à 14 pouces, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez des jantes de GTI 1,6 litre, soit vous utilisez des jantes en tôle PSA en 14 pouces. L'inconvénient des jantes alliage 1,6 litre 205 GTI. Elles sont faciles à trouver, mais par contre, ce sont les goujons qui sont très difficiles à trouver et qui ont un tarif excessif. Donc, je vous conseille fortement de passer sur les jantes tôle. Il y a cependant une problématique sur les jantes en tôle 14 pouces PSA. À l'arrière, elles touchent le pont. Donc, vous n'avez qu'une seule et unique solution : utiliser les élargisseurs de voie. J'ai pris, moi, pour ma part, du 16 mm. Qui fait parfaitement l'affaire. Donc venez positionner votre élargisseur de voie comme ceci. Et voilà. Utilisez des goujons bien évidemment un petit peu plus longs. En général, ils sont vendus avec l'élargisseur de voie. Plus que deux roues. Voilà, l'arrière est fait, il reste maintenant l'avant. Par contre, à l'avant, inutile de mettre des élargisseurs de voie. Ça passe.